Comme vous le savez, l'élection des sénateurs est programmée pour le 20 juillet 2020. Alors, à ce moment-ci, nous avons déjà reçu les dossiers des candidats et nous les avons analysés. Cinq partis politiques ont présenté des candidats, des listes de candidats. Il s'agit du CNDD-FDD qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, du CNL qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, de l'UPRONA qui a présenté des candidats dans 8 provinces, du parti Sangwe Pader qui a présenté des candidats dans une province et du parti APDR qui a présenté des candidats dans une province. Il y a ensuite deux indépendants. Un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Bururi et un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Bujumbura. Après analyse des candidatures, nous avons trouvé que pratiquement tous les candidats étaient recevables, sauf un indépendant qui s'est présenté, n'est-ce pas, en mairie de Bujumbura, mais le dossier n'était visiblement pas complet. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un cas pareil, il y a une possibilité de faire recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ce que l'intéressé a déjà fait et certainement que la Cour va rendre, n'est-ce pas, la décision appropriée. Je voudrais également rappeler ici que lors des élections des sénateurs, ce sont uniquement les conseillers communaux qui participent à l'élection. Et tous les conseillers communaux sont déjà connus au niveau des communes. Dans tout le pays, nous avons le nombre de 3453 conseillers communaux. Et bien sûr, l'élection se passe au niveau de la province, de chaque province. Et les conseillers communaux vont se réunir au niveau de la province et procéder à l'élection de deux sénateurs qui vont représenter la province au niveau national. La campagne électorale, la période sera précisée par le décret présidentiel qui sera publié dans les jours à venir. Mais nous voudrions déjà demander, n'est-ce pas, notamment aux partis politiques et à l'indépendant qui sont déjà admis à concourir dans l'élection sénatoriale, à nous proposer des mandataires pour qu'ils puissent suivre, n'est-ce pas, le déroulement de cette élection sénatoriale. Nous invitons également les associations ainsi que les confessions religieuses qui voudraient également participer à l'observation de l'élection sénatoriale à se faire connaître pour que nous puissions, n'est-ce pas, les accréditer. Il faut ici aussi rappeler que les organisations de la société civile ainsi que les confessions religieuses qui habituellement demandent à participer dans une élection de se rappeler de nous envoyer, n'est-ce pas, leur rapport qui va d'abord, n'est-ce pas, nous renseigner sur leurs observations, mais également nous aider, n'est-ce pas, à préparer, n'est-ce pas, les échéances ultérieures.